Bonjour, je vous présente cet ouvrage. François Richard, le travail du psychanalyste en psychothérapie. Un signe indicatif de la perturbation entre inconscient et conscient est l'existence de troubles du sommeil. Le soutien est dans la présence de l'analyste et sa capacité à écouter. Le soutien est un but plus qu'une technique. Le patient a besoin d'une saisie sensorielle globale de son analyste, de l'entendre, de le voir, attitude et gestes, en yeux. Du côté de l'analyste, l'attention flottante, non sélective, ouvre un espace de pensée et d'élaboration. L'intolérance de la situation allongée est une phobie à l'activité de penser et de parler. Dans le face-à-face, l'analyste risque d'être sollicité, entraîné dans la communication interactive, vide l'horreur, et détourné de son écoute. La technique strictement analytique est l'or pur et la pratique psychothérapeutique le cuivre. Il est important d'évaluer les modalités de la communication les plus favorables pour le sujet lui-même. Freud suggère d'allier l'or pur de l'analyse au cuivre de la suggestion directe. La psychanalyse a une dimension dans laquelle s'inscrit l'idée de guérison. Lévis-Kirchner constate un déclin inexorable du nombre d'heures de psychanalyse dans les cabinets. Risque de voir fondre l'analyse dans la psychothérapie. Flou qu'entraîne le statut de psychothérapie psychanalytique. Freud accepte la nécessité d'adopter une attitude éducative, surtout sur les patients infantiles. L'analyste subit la pression des attentes sociales de guérison rapide et au moindre coût. Le bon moment pour interpréter, vieux débat. Pas avant un transfert sûr et seulement lorsque le patient est sur le point de découvrir lui-même. Winnicott préconise de ne pas trop interpréter. Chaque interprétation est un objet brillant qui excite la convoitise du malade. La technique consiste à favoriser l'auto-interprétation du patient plutôt qu'à interpréter. L'efficience de la parole du thérapeute réside dans la réorganisation symbolique. Pour le courant américain dit intersubjectiviste, Gordon, Pickman et Schaeffer, le transfert et le contre-transfert sont des tentatives d'échanges relationnels plus que des rééditions de l'infantile. Freud s'efforce de synthétiser l'interprétation, la traduction symbolique, la relance associative, l'achèvement du puzzle, l'articulation de l'interprétatif avec la compulsion de répétition et le principe de réalité dans le transfert positif. On souffre de ce qui n'a pas pu avoir lieu. On souffre du non approprié de l'histoire, on guérit en se remémorant, en rejouant, on symbolise. Le poète Francis Ponge appelle l'objet pour le transfert l'ob-jeu, objet utilisable pour le jeu. Dans la psychothérapie de groupe, des inconnus sont réunis dans un dispositif construit par le thérapeute en vue d'un soin collectif. La psychanalyse se produit dans une situation qui spécifie les conditions de l'expérience, de l'inconscient et du processus psychanalytique. Ce qui spécifie une situation psychanalytique est la réalité psychique inconsciente, l'expérience qui en est prouvée, analysée pour que ce dire advienne. L'objet de la psychanalyse est restreint par le champ de son application comme méthode de traitement des troubles névrotiques. La situation met le désir inconscient du sujet en rapport avec le désir d'un autre. Le travail spécifique de l'analyste a pour visée de restituer au sujet ce qu'il a répété et transféré, mais aussi ce qu'il a inventé dans le transfert. La psychanalyse est une méthode de traitement des troubles psychiques inaccessible autrement. La méthode de l'association libre donne accès à un travail de la mémoire, une réélaboration des structurations antérieures. L'inconscient dans le groupe et les alliances inconscientes. Formation psychique commune et partagée, un accord inconscient construit par les sujets. Ces alliances produisent et maintiennent de l'inconscient. Il y a une liaison avec chacun d'entre eux et avec le groupe. La pluralité engendre la synergie des effets psychiques et la construction d'un appareil psychique commun et partagé. Les membres du groupe mettent en place des mécanismes de défense conjoints et communs.
La pluralité des discours engendre l'interdiscursivité des processus associatifs. La règle fondamentale se fonde sur la certitude que la réalité psychique et le désir inconscient sont susceptibles d'être dits, adressés à un autre et par l'effet du transfert transformé en appropriation subjective consciente. Cette règle est énoncée comme le moyen du travail psychanalytique en situation de groupe, complémentarité solidaire. L'espace groupal permet une actualisation des connexions de transfert. Lorsque le récit d'un rêve est fait par un participant, le thérapeute invite chacun à faire écho au récit du rêve et à partager sa résonance personnelle, penseur de rêve. Les effets thérapeutiques et de soins souvent spectaculaires sont à interroger du point de vue de leur rapport avec les effets de l'analyse, obstacles et résistances. Le psychodrame est susceptible d'être proposé à des adolescents, quels que soient les troubles dont ils souffrent. Le psychodrame offre une situation quasi expérimentale pour l'émergence de la transitionnalité, Winnicott. La mise en scène psychodramatique constitue un outil thérapeutique privilégié par la possibilité d'imaginer ce qui déclenche la déception, le désespoir, le chagrin, mais aussi la joie et le plaisir dans l'assignation des affects. Mise à l'épreuve des digues psychiques. La confrontation entre les désirs et les interdits se prête particulièrement à la mise en scène. La force tyrannique du surmoi est apaisée par la voix off d'un double bienveillant. Le psychodrame met en scène la sexualité. Le jeu psychodramatique montre la complexité du fonctionnement psychique. Les paramètres quantifiables sont la somme d'argent demandée et le temps de séance convenu. La fixation du prix demande des réajustements progressifs et réciproques. Jusqu'à trouver le prix juste, le transfert agit sur l'acte de paiement. Les parents ne sont pas les créanciers, mais les banquiers, gérant une créance contractée par leur enfant. François Richard, le travail du psychanalyste en psychothérapie. Merci.